En fait, en termes d'attente, c'est d'abord de pouvoir répondre à une question. Bouger les lignes, c'est bien. Repartir pour de grands débats philosophiques, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit le but. Et donc, à partir de là, au niveau de l'Opéra Royal, on s'est dit, il faut à tout prix qu'on soit actif, qu'on soit présent pour apporter un éclairage tout à fait particulier de l'institution, qui est quand même l'institution la plus subsidiée au niveau des arts de la scène, en communauté française ou en fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une très bonne question, parce que c'est évidemment la question que nous-mêmes nous posons, et je dirais, avec un petit clin d'œil, je vais dire, vouloir mettre l'artiste au centre, d'accord. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est effectivement lui qui est sur scène. Cela étant, l'artiste, sans tout ce qui l'entoure, il ne vit pas non plus. S'il n'y a pas un service com qui va effectivement annoncer des spectacles, en d'autres termes, opposer, le cas échéant, opposer institution à artiste, ça n'a aucun sens. En tout cas pas à court terme, et je dirais même à long terme, je trouve ça éventuellement dangereux. Alors au niveau de l'opéra, nous avons plusieurs types d'artistes. Je parle bien de la partie artistique, sur les 206 personnes qui travaillent de manière permanente, à peu près 70% sont des artistes permanents à temps plein. Et puis à côté de cela, nous avons évidemment une flopée d'autres artistes complémentaires, et je pense qu'en 2014, nous avons signé 450 à peu près contrats d'artistes supplémentaires. Dans ce cadre-là, les questions se posent vis-à-vis de la demande de l'artiste. Mais c'est vrai que c'est une matière compliquée. Et les artistes eux-mêmes sont avec d'énormes points d'interrogation selon les statuts qu'on va leur proposer et les natures même du contrat. Un contrat à durée déterminée, un contrat au cachet, avec toutes les conséquences que ça a en matière de chômage par exemple. Eh bien, moi je prends mon temps de pouvoir expliquer et concrètement en disant, voilà, si vous prenez tel type de contrat, voilà les conséquences en matière de chômage, mais par contre, voilà les avantages que vous avez au niveau du statut artistique, et inversement. Et c'est comme ça qu'on va négocier un certain nombre de contrats, tout à fait différemment en fonction de l'attente même. J'ai des artistes qui vont avoir à la limite les mêmes rémunérations, mais un sera payé au cachet parce que ça l'intéresse, l'autre sera payé en contrat durée déterminée parce que lui, ça l'intéresse autrement. Je n'ai pas la prétention de vouloir aller dans ce sens-là. Je suis juriste de formation, donc moi j'applique le droit, c'est déjà pas toujours évident. Et de pouvoir dire, maman, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? On peut améliorer beaucoup de choses. Maintenant, je trouve effectivement un peu dommage que très souvent, quand on me parle de statut d'artiste, en fait on me parle de statut de chômeur. C'est dommage. C'est pas le sens premier, me semble-t-il. Et je crois qu'effectivement tout ce volet vraiment emploi, avec les visas, avec toute une série d'éléments complémentaires. Si on peut avancer dans ce cadre-là, je pense vraiment qu'on va vraiment faire un pas en avant, d'autant plus qu'on est là dans une matière dans laquelle le gouvernement, peut-être pas de la communauté, mais en tout cas de la région wallonne, est éminemment compétent.